Mesdames et messieurs fanatiques amis compatriotes TV la Kayo, nous comptons rejoindre nous encore une fois et pour nous porter vidéo ça pour vous. Et nous pas parler trop gagner premier ministre en pays a nous voulons parler de Gary Conil et qui lui-même sorti dans silence là et toi mais qui encore une fois mesdames et messieurs confirme dans micro la presse yo même yo pas gagne négociation a fait à bandi. Monsieur dit clair sur ça, c'est opération zéro tolérance pour tout bandi. Depuis la police arrêté bandi, pas en prison pour bandi parce qu'il n'a eu fin crasé. Depuis la police mette men sou nèg yo, c'est bay nèg yo bois calé ou bien eh ben bay ça nèg yo mérité parce que question nèg a dit gen territoire perdu, nous sonje ministre en justice là Émilie Prophète qui jodi a ta dou en bacode, nèg yo quitté la galbané dans pays a toujours. Eh ben faut que nous di ou PM nan li même li fait qu'on est là, pas une question pitié pour bandi, ni tout pas chita négocier ak nèg qui donc c'est déposer pour nèg déposer zam et puis reconnaître l'état c'est lui qui met pays ça. Sinon eh ben c'est garder nèg garder a pour la police a rentrer sur yo vinn ba yo bois calé parce que gen en pile nouveau matériel qui rentre et donc pour la police là et gagner la médaille titou qui pral et en fonction très bientôt là lundi en fonction qui donc qui pral fouer école dans toute longueur dans bataille là pour aider la police avec force Kenya. En tout cas bagay en pile mesdames et messieurs, nous pral inviter nous gagner tout détail dans vidéo ça. Tout le monde connaît arabe là et yon nan nèg qui te fait en pile parler de lui surtout et après assassinat Jovenel Moïse nan montré peuple haïtien tout temps sa Jovenel ben tap et fait et média qui te touche gros l'argent dans mes nèg bourgeois dans mes et politiciens pourri yo nèg pas jamais montrer bagay ça yo et ben Maslin et dit arabe là monsieur te décidé montrer bagay ça yo et nous connaît monsieur te vinn en bas code et monsieur évadé donc dans moment vivre ensemble te vinn craser prison et ben jodi là Maslin monsieur encore une fois mesdames et messieurs nan men Babylone et yo mette monsieur donc en bas code c'est gros journée 7 juillet 2024 là qui bay Jovenel Moïse et trois l'année depuis nèg yo té assassiné. En tout cas problème yo en pile en écouter pour plus détail n'a tourné Darius mis à part bilan gain question gang tout que premier ministre t'a abordé côté gain une polémique en Haïti sur question ça. Alors premier ministre hier gain une entrevue au bay RFI dans entrevue ça ou pas écarté possibilité pour t'achita parler à gang yo et moyennant que yo t'a choisi déposer les armes et puis respecter et sandakarele autorité l'état et gien de monde qui yo même gon problème sur question déposer les armes nan y a mande tête qui sauve les dit lors de déposer les armes nan écoute m'était très clair son question me répond déjà premier geste c'est faut déposer les armes on pas gagner les armes pour attendre quoi que ce soit il pas dit me parler pour négocier moyennant il y a pas une terme moyennant interview public pour mettre attendre lui ce qu'on est en train de dire est très clair d'abord première démarche c'est déposer les armes deuxième bail là c'est reconnaître l'autorité de l'état ça veut dire l'autorité de l'état c'est avant tout la justice. C'est avant tout territoire que nous avons, que nous avons accès à nous, c'est où est l'État contrôle le territoire ça. C'est très très clair. Hein? Et puis il y a toute l'autre discussion qu'on a fait, c'est après. Je vous comprends, c'est une très clair sur ça. Hein. C'est d'abord déposer toutes armes, déposer tout, suspendre tout brigandage, suspendre tout acte agressif. Côté pour l'État, c'est pour l'État immédiatement et sans perdre du temps et suspendre, exercer aucun contrôle sur eux, présenter peut-être devant l'autorité de l'État qui dans des caprices qui c'est la justice. Et puis ensuite, toute notre conversation, c'est la séquence ça et on va aller. Bon, donc pas bien moyen que ou pas moyen que, nous sommes très 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 clairs là-dessus. C'est que pour le moment, ça pour faire ces situations là, de la première, elle n'a pas conduit, ni pas permettre, ni pas autorisé, ni pas aucun espace pour aucun dialogue, aucune discussion, aucune conversation. Parce que j'en dis d'abord, la première chose, c'est que l'État, c'est l'État. Mais une fois où on accord, on harmonie avec l'État, la justice, donc certainement, conversation est possible. Mais d'abord, la première chose pour faire, c'est ça. Même au prisonnier que l'emprisonnement,
nous devons avoir une conversation. Même les gens qui sont condamnés, nous devons avoir une conversation. Mais la première chose pour nous pour faire, c'est pour déposer les armes. Nous n'avons aucune conversation avec les gens qui ont des armes pour nous pouvoir terroriser la population, pour nous pouvoir menacer les gens, pour nous occuper l'espace que les gens ne peuvent pas retourner la caillou, pendant que nous ici à faire brigandage, pas aucune conversation possible. C'est ça que nous devons dire, et c'est ça que nous disons très clairement, et c'est ça que nous répétons. Donc, nous n'avons pas besoin de comprendre la confusion, mais nous devons content qu'on ait l'occasion de clarifier. Donc, Darius, c'est premier ministre, très clair sur question, pas de négociation, remettre les armes et puis justice a fait travailler Davidson. Monsieur le premier ministre, il y a tout un débat qui se fait dans l'opinion. Premier contingent, vous êtes arrivé là. Et en pile, on a demandé qui l'opération a commencé, puisque des aides au lag ont paquet des autres qui fait. J'aime bien une première fois, opération pas de jambes suspendues. Et moi, c'est que faut nous connaître. Bravo, détermination, engagement, la police nationale. Là. Parce que nous avons des policiers qui ont tombé, nous avons des policiers qui ont plat, qui ont en position, qui ont opération. Opération pas de jambes suspendues en Haïti. Force multinationale, là, ça a dû nous faire. Il renforce les polices là, il vient accompagner nous pour nous faire plus efficace, en attendant qu'il a augmenté les capacités. Tu comprends? Parce que moi-même, moi de ceux qui croient que normalement, chiffre la police a bien pour nous augmenter de manière significative, nous venons pour nous équiper mieux, nous venons pour nous former mieux, nous venons pour nous distribuer mieux, en attendant qu'il a fait ça, en attendant qu'il a grandi les capacités, nous venons des pays qui viennent nous gouverner pour capable quand même continuer à faire ça mieux pour nous faire pendant qu'il a renforcé les capacités. Même d'ailleurs, nous disons ça encore, nous ne va pas diguer et nous va quitter responsabilité. Non. Sécurité, c'est avant tout une responsabilité haïtienne. Donc, ce n'est pas tant d'un étranger venu pour faire opération. Ça, faut plus clair. Nous faisons opération tous les jours et on va pouvoir tout. Nous supposons tout que rapidement après, la police, c'est la police nationale qui est intervenue pour réagir à l'égradage pour se décrire. Maintenant, au fur et à mesure, on va prendre ça très vite. Nous avons l'autre contingent qui a venu, nous avons une planification qui a fait, nous avons un task force qui connaît à rien dans l'armée, la police, évidemment, évidemment, et force multinationale qui a venu, nous avons bien assuré, nous, que nous avons préparé, nous avons avancé à notre rythme. Ouais, c'est, parce que quand même, nous voulons assurer nous du succès. Mais seulement, si nous avons bon, je vous dis, il va vous dire encore. L'État prend responsabilité. Si nous n'avons pas aucun autre gens l'a fini. Et c'est ça pour le monde qui vient à mais c'est ça que je dis, il faut que nous bouquions. Ça n'a fait la pas qu'à nous aucun autre côté. Résultat pas qu'à l'autre gens. Haïti pas qu'à perdre juste pour prendre le territoire. Je dis à demain, après demain, nous n'avons pas retourner la caillou. Haïti a pour retrouver la paix. Ça, avec Gary, sans Gary, il faut que nous comprendre ça. Nous ne pouvons jamais suspendre nous, mais nous ne pouvons jamais suspendre avancer. Nous ne pouvons jamais suspendre la bataille. Donc moi, je voulais dire que dans un temps de vie, on va prendre compte que n'a pas avancé caille par caille, j'aime des villes là, quartier par quartier, ville par ville, pour nous reprendre le territoire. Nous, avec les amis de la communauté internationale, et c'est une discussion que nous avons fait qui détermine pour nous venir de nous. Donc, j'en dis à nous bien 200, demain nous avons 500, après demain nous avons 800, après demain nous avons bien, il y a venu de nous, tant qu'il se peut. Pendant ce temps, nous avons renforcé la capacité de la police, on a baissé tous les moyens. Nous avons tout le monde aujourd'hui qui est armé, tout le monde aujourd'hui qui a fait brigandage, tout le monde aujourd'hui qui croit que sinon ça va nous vivre, qu'on connaît l'État pour prendre la responsabilité. Il est encore temps pour nous suspendre ce brigandage, pour nous retrouver le chemin de la paix, pour nous suspendre ce qu'il y a à faire, parce que de toutes les façons, il n'aura qu'à finir notre jeu. L'État aura la victoire. Le peuple haïtien aura la victoire finale. Donc, nous voulons que... Très bien, monsieur le premier ministre. Direct, ça veut dire que, et automatiquement, il y a une ville. Moi-même, ça que je suis capable de dire, le que là, et en nous assurant que, on ne peut pas quitter Maslevin. Si nous quittons Maslevin là, c'est sûr. Et comme si je te connais, c'est comme si je connais, je me pressentiment. Je dis pas quitter monsieur Vinla, c'est sûr et certain. Il y a attendu, il y a attendu que l'Arabe a venu dans la justice président Jovenel là. Beaucoup fin dit ça, bon, mais voilà. Mais voilà. À son plan lié pour le gouvernement, parce que même si on t'a pas arrêté arabe, je ne sais pas que c'est jour 17 là, mesdames, messieurs. Je ne sais pas que c'est jour 17 là, on t'a osé faire bêtise ça. Je ne sais pas que ça. Je ne sais pas ça. Parce que sincèrement, si on t'a voulu arrêter arabe depuis avant, on t'a fait. Je dis à la soirée, on fait ça, son message, on lance. Son message, en tout cas. Moi, c'est que, oui, mais dans le cadre d'arrestation arabe. Bon, oui, moi, c'est que. Et gens que nous connaissons, bon, arabe, c'est un évadé de prison, gens qui étaient dilés. Et arabe, c'est supposé être prudent, et bien la police lui-même, il est censé
et arrêté arabe, et bien d'après toutes les dernières informations que Jim nous a confirmé là, parce que il y a un pile monde arabe était supposé très prudent, et bien pour lui-même de passer à la porte de comme ça, et bien parce que et comme ça que arabe lui-même libre et en bas cause la police dit que qui fait arrêter Maslim Sil, et bien nous tous ces connaît et sous nos arabes, et bien ça passait, et bien dans minute que la même dans un droit, et bien arabes là ils ont prisonnier politique, et bien quitté, et bien sauvé, et bien deux massacres passés à pendant prison écrasé, et bien monsieur joint arrestation à tout le chauffeur moto et Jimmy, et parce que bon et Kounia et c'est avocat qui peut aller parce que nous connaît que et massacre gens que tout le monde déconne tout le monde est dit, eh bien, nous pensons que nous sommes prudents parce que on va des prisons pour arrêter. Il dit que n'importe qui monde là, depuis que tu es en prison, si tout est dit injustice, c'est fort. Que oui, Arabes, c'est supposé. Salomon, mais c'est sûr, et certains gens nous disent là, mais c'est son complot, c'est pas l'autre bagaille. Ou regarder, ou attendre dans la vidéo, ça, depuis dans la vidéo, hein, monsieur, vous êtes entendu justement, parle en direct, nous parle en direct, en façon. Pour moun yo pa konn kote liye, ça veut dire que t'es grand ten sou arabe et Salomon. Mais faut nous bay vérité hein? Parce que là nous on s'est arrêté yo t'es gade touye le tout. Heureusement c'est arrêté parce que monsieur t'es gade même mourir. Donc nous capable dire équipe